émission de musique gospel en République démocratique du Congo. Pascal, toi là, bon, dis-moi un peu. Papa Mike. Si tu partais à Kinshasa et que tu te retrouves à Malaika House. Premièrement, je n'ai jamais été à Kinshasa. Tu n'es jamais sorti de Lubumbashi. Oui, dans l'avion, ils allaient à Libosso. Waouh. Alors, je pense dans ce cas que. Madame Bitsuka tourne à Kinshasa. Papa Mike. Pasteur Mike le fera pour toi. Ah, voilà. Ah, oui, hein. Oh, gloire à Dieu. Oui, allô papa. Allô Pascal. Papa Mike. Dis-moi, tu es toujours à Lubumbashi? Oui. Dis-moi, tu viens quand sur Kinshasa? Ouais, pour Kinshasa. Nazo, il y a Nazo, Nazo est loin. Tu prends les vols de demain? Une fois Kinshasa, en tout cas, je vais vous appeler Toko dans la tête, papa. Pascal Mitonga Believe. Ah, merci beaucoup, Fad. Bienvenue chez toi, mon ami. Je t'attends sur Kinshasa de pied ferme. Emmanuel, tout ce que tu fais est parfait. Dans la liste sous les lots des idées, on s'en a mabola. Emmanuel mo konzina osalia mingi na bomoina Emmanuel emananga ye osalia mingi Emmanuel mo konzina osalia mingi na bomoina Emmanuel papa malamwe osalia mingi. Tu me l'avais dit dans le secret. N'a comme fait la bombe à mon amour de main. Zamoya l'okota kapato dans le néon. Nandi m'a quitté au coca mouissant à l'olingé oyo. N'a pas de pato, n'a pas de l'onga na zalake. Yo tendi n'a l'oba kono ya bosantue. Talandenga yo l'okotinga. Talandenga yo. Emma, 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 Emma
akomisanga molongo na bituma na bundati apesanga kombo ya sika misere koma bonere o akomisanga molongo na bituma na bundati apesanga kombo ya sika misere koma bonere voilà koma bonere Seigneur asi ya Jésus. Yeah.
genoux. Ici, je trouve tous mes bijoux. Oh, Pam, ton ami intime écoute et comble mon âme affaiblie en route. Oh, reviens, le Dieu de mes Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ce soir que tu nous donnes. Une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité de venir dans ta présence pour passer des moments de louange, d'adoration, des moments de célébration, des moments de joie. Éternel, ces temps te sont dédiés, consacrés. Comme les psalmistes, nous demandons, nous désirons, Seigneur éternel, que tu prennes plaisir de ces moments. Réjouis-toi de tes œuvres. Éternel, c'est un nouveau soir, nous avons besoin de nouvelles grâces. Ce n'est pas la première fois que nous fassions ce que nous allons faire, mais nous avons au moins besoin d'une nouvelle grâce venant de toi.
Accompagne-nous, Seigneur, dès la première minute jusqu'à la dernière. Que chaque personne qui prendra la parole, que chaque personne qui agira de telle ou de telle autre manière soit conduit par toi. Afin que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire de telle ou de telle autre manière soit pour ta gloire et ta seule gloire. Assiste-nous, fais-nous du bien par ton Saint-Esprit. Papa, nous te l'avons demandé pour ta gloire, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Majabu Rafiki. Prime 6 Majabu Rafiki, mesdames et messieurs. C'est parti pour une soirée magnifique. C'est parti pour une soirée merveilleuse. C'est parti pour une soirée exceptionnelle. Les danseurs des Rafi qui sont là. Les danseurs des Rafi qui sont là, sont là, sont là. Allez-y, dansez un peu, dansez, on va voir si vous êtes là. Les danseurs des Rafi qui sont là, sont là, sont là, sont là. Merci. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Bonsoir, cher public. Après 5 semaines dans l'arène Pamoja, ils sont toujours là,
et ils ne cessent de nous démontrer leur talent. 12 Rafiki sont encore en course. Ils sont déterminés à arriver au bout de cette merveilleuse aventure. C'est un véritable dilemme, je le reconnais. Mais il va falloir départager, cher public, entre vos votes et les notes du jury. En parlant du jury, je les vois qui sont tous là. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos membres du jury qui sont tous présents là ce soir? Notre bien-aimé joker, le passeur Lord Lombo. Maman Sandra Mbouyi, que je vous prie d'applaudir. Le pasteur Mike Alambaye. Et on note bien sûr la présence et l'ambassadrice Déborah Lukalu, la maman des garçons qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? La maman des garçons, absente pendant un certain temps, tu as suivi de loin la progression de ton équipe. Qu'est-ce que tu penses d'eux, malgré les départs des Genovi et des Jonas? Bonsoir à tous. Voilà, j'étais très heureuse de voir que eux tous étaient en train de progresser. C'est vrai, ça m'a attristée de voir deux de mes garçons partir, mais je n'ai pas cessé de me rappeler que c'est une compétition et qu'il y aura toujours des gens qui vont partir. Mais c'était quand même chaud de regarder cela à la télé. Et je sais que ce soir, ça va chauffer encore. Je suis très fière de mes binômes qui ont fait un bon travail. Donc voilà. Merci beaucoup, la maman des garçons. Est-ce qu'on est content de la voir? La maman des garçons est là. Est là. Voilà, vous avez remarqué ces petits décors, ces petits sapins qui est planté là. Nous sommes donc dans une ambiance festive, c'est déjà Noël ici chez nous à Pamodia. Et donc je vous souhaite joyeux Noël à tous. Vous avez remarqué également dans cette même ambiance festive la présence des danseurs qui sont juste là derrière moi, les Barakadins qui ont fait une introduction chaude pour ces Prime 6 Majabou. Rafiki, est-ce qu'on peut applaudir pour nos danseurs, s'il vous plaît? Merci les danseurs. Le gospel congolais a son histoire. Et ce soir, la nouvelle génération de la musique gospel à travers nos 12 Rafiki va nous faire voyager dans les temps anciens. Ils vont nous plonger dans un monde délicieusement old school, peuplé des chantres que nous ne pouvons pas oublier. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers publics, ici dans la salle, serrez vos ceintures, embarquez-vous très bien. Nous entrons dans la machine à remonter les temps, comme vous avez remarqué, à travers nos tenues, mais également à travers les prestations des différents candidats qui vont se succéder ici ce soir. Nous allons aller revisiter les anciens succès du gospel congolais. Le premier candidat à nous faire remonter dans la machine de temps ce soir est issu de l'équipe des amis des marques, de l'ambassadrice Déborah Lukalu et des binômes Esaïe Ntombé et Ruth Pala. Il s'agit de Jules Bukasa, que je vous prie d'applaudir. Fukan de yo ya
moi Katina momoi nanga Yesu Wana eko tambola C'était Jules Bukasa dans Yonde Bomoy de Deningonde. Le résultat que réalise Nora Fiki depuis le début de cette compétition est juste formidable. Clin d'œil spécial aux ambassadeurs et aux binômes qui abattent un travail exceptionnel. Maman Sandra, votre avis sur Jules? Ça va, Jules? Je vais bien. Tu vas très bien? Ah ouais. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Je pense que papa Denis, là où il est, certainement, il va ressentir ce que nous avons ressenti en ce lieu. J'aimerais vraiment t'encourager à aller de l'avant. On sent l'évolution dans ce que tu fais. C'est vrai que nous continuons aussi à pouvoir t'aider à améliorer certains points. Aujourd'hui, on pouvait sentir qu'il y avait quelques paroles qui avaient un peu échappé, mais ça n'a rien changé de la présence de Dieu que nous avons ressentie en ce lieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Maman Sandra. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jules pendant qu'il regagne les backstage? Merci Jules, c'était magnifique. Et donc, je disais que les résultats du travail qu'abat le Rafiki ici depuis le début de la compétition est juste formidable, et ça serait dommage de voir les rêves de certains d'entre eux être brisés parce qu'ils ne peuvent plus poursuivre la compétition. Pour éviter un départ précipité à votre Rafiki préféré, vous savez ce qu'il faut faire, voter. Le deuxième candidat qui va se lancer dans l'arène, il n'a que 10 ans. Il est trop jeune pour ce genre d'exercice, mais il est assez mature pour relever le défi. Blessing Lobo va nous rappeler le titre « Les dieux que je sers » de la sœur Aimée Diketele et « On me dit souvent » du frère Lifoko du ciel. On applaudit pour Blessing. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu
me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais tout ce que moi je sais, il brûle pour moi. Je ne l'ai pas vu. Il était le dernier. Hey! Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la voix. Et si moi je vis de dos, et je l'ai vu. Je vais te tenir la main. Viens, je vais te tenir la main. Est-ce qu'on peut applaudir pour Blessing Lobo, s'il vous plaît? Il l'a fait ce soir. Pasteur Mike, je veux prendre rapidement votre avis sur la prestation des Blessing. Blessing, ça va? Oui, ça va bien. Encore une fois, j'avais affaire vraiment à un artiste. D'abord, avant toute chose, j'aimerais te faire un compliment, parce que tu es très bien habillé, tu sais. Tu es très bien habillé, Lobo. En sandales, et des longues chaussettes, nez rouge, vraiment l'ancien. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on a encore découvert quelque chose, hein, un plus, pendant que tu étais en train de presser, c'est que, ce que tu peux danser, mais surtout, juste au niveau de la hanche. Dieu te bénisse. Je peux me rappeler très bien la période où cette chanson de maman Aimée dit quitter est sortie. Tu n'étais pas encore né. Tu n'étais pas encore né. Mais de voir avec ton âge reproduire ça comme ça. D'abord, qu'est-ce que moi personnellement, ça ne m'a pas donné des frissons. Ça a ramené beaucoup de choses à mon souvenir. Que Dieu te bénisse, Lobo. C'est vrai que quelque part, on pouvait sentir les mots et certains petits trucs qui pouvaient t'échapper. Mais en tout cas, belle prestation. Dieu te bénisse. Merci. Merci, Pasteur Mike. Et félicitations, Blessing. Est-ce qu'on peut encourager Blessing par nos applaudissements pendant qu'il regagne le backstage? Merci beaucoup. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il est important de voter pour vos candidats préférés, afin de les pousser le plus loin possible dans cette compétition. Dans un instant, Jacques Caladila va nous ramener dans l'univers de Cool Matopé en interprétant les titres Hosanna. On applaudit pour Jacques. Ngai na ye lelo na pesi lisusu biblia raison ou pesa confiance na moto ezali malédiction ba promesse moti no nyonso eko suka na déception poete nyonso na mokili oyo ezana ngose illusion
le kaka na suka confondu pour moté mananga kolo yo lobi ezali tordu nana dimi ezaya solo ah mais faut je n'en pas mordu vinanga pete kende liboso kaka yo seigneur jésus. Papa Zession pe direction Yabo moi nanga lelo yo Papa sala partout révision Yama bébé ba RM yonso Oye me malon en prédiction Na ebi bien ke pana yo Denga nazi bénédiction Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Jacques, s'il vous plaît? Pamodia est debout. Tout le monde célèbre le sacre de Jacques ce soir. Jacques Kaladila, candidat numéro. Dis au micro, Jacques, candidat numéro 12. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois de plus pour les candidats numéro 12? Mais quelle maîtrise! Nous sommes en train de vivre une soirée spéciale, soirée durant laquelle nos Rafiki sont en train de nous ramener dans les anciennes années du gospel congolais. Pasteur Lode, votre avis sur la prestation de Jacques? Jacques, honnêtement, la perfection est divine, mais ce soir, tu n'as pas été loin de la perfection. Franchement, si je ne peux pas te donner 10 sur 10, tu as 9,999999999999999. Fabuleux. Tu as une palette très large et très complète. Tu es un vrai musicien, un vrai chanteur. Puisses-tu aller le plus loin possible. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Lode. On applaudit pour Jacques, s'il vous plaît, pendant qu'il est en train de regagner le backstage. On a suivi les prestations des amis des marques, la maman des garçons. Et on là. Aimerait bien entendre ton avis après les prestations de tes trois enfants. Personnellement, je suis très fière de chacune de leurs prestations. Et ma prière est que même s'ils ne gagnent pas cette compétition, qu'ils continuent dans la voie du Seigneur et d'utiliser ce que le Seigneur a déposé en eux pour le royaume de Christ. Donc, qu'il soit béni, je suis fière de vous, les garçons. Merci beaucoup, Maman Déborah. Est-ce qu'on peut applaudir pour les amis des marques qui se sont illustrés ce soir par des prestations extraordinaires?
Cher public, je rappelle que vous êtes aux commandes ce soir et vous avez la possibilité de pousser le plus loin possible vos Rafiki préférés à travers vos votes. Donc, si vous ne savez pas encore comment ça se fait pour voter, je vous invite à suivre ces magnétos. Vous pouvez voter votre Rafiki préféré sur nos trois différentes plateformes des votes. Chatbot WhatsApp Mahadjabou Rafiki, application Mahadjabou Rafiki et sur les sites web www.mahadjabougospel.com. Blessing Shunju, choisissez 2. Baïd Mosongo, choisissez 3. Blessing Globo, choisissez 4. Pour Injoel Mbuluku, choisissez 9. Pour Israël Lofala, choisissez 11. Pour Jacques Kaladila, choisissez 12. Pour Joyce Kalumuna, choisissez 15. Pour Lévina Bichaté, choisissez 16. Pour Merdivi Mokoko, choisissez 17. Pour Miradi Lusuna, choisissez 18. Pour Jules Boukassa, choisissez 19. Et pour Sephora Makassi, choisissez 20. Mahadjabou Rafiki, laissez venir à moi les petits-enfants. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Mahadjabou Cab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Mahadjabou Cab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Mahadjabou Cab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour killer le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express. Chauffeur, non. Et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Mahadjabou Cab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont prévenu que la prochaine fois, c'est Mahadjabou Cab aux lignes 11. Eh, hey, mes amis de Dakar au Sénégal, vous savez ce qu'on dit, non? Yalla Barna! Après beaucoup d'années où j'étais au Sénégal, depuis 2015 pratiquement, j'ai fait beaucoup de séminaires et de conférences, mais jamais de concerts. Mais cette fois-ci, sponsorisé, produit par Mahadjabou Gospel, Lord Lombo Ministries arrive au Sénégal. Une seule date, le 21 janvier 2024, à partir de 18h juste, pour une grande célébration dénommée Extrême Célébration. Un seul lieu, ça sera au Grand Théâtre de Dakar. Je ne serai pas seul, mais je serai avec l'ambassadrice Sandra Mbouyi, notre sœur, qui va nous communiquer l'onction du mariage, et aussi avec nos partenaires Bernard Sissa, Pasteur Félix Ndiaye, et évidemment Lord Lombo Ministries. Venez nombreux. Il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour 30 000, il y en a pour 15 000, pour 10 000, pour 5 000. Ça défile sur le bas de votre écran. Je vous confirme qu'on arrive à Dakar le 21 janvier 2024 au Grand Théâtre à partir de 18h juste. Regardez Mahadjabou Rafiki, la compétition 100% musique gospel consacrée aux jeunes des moins des 18 ans. Ce soir, la thématique de ces Prime 6 de Mahadjabou Rafiki est Old School. Nos 12 candidats sont en train de faire un effort pour nous ramener dans les années
des anciens succès du gospel congolais. Et ce soir, mesdames et messieurs, il y a des grands enjeux parce que des places pour la finale sont en train de s'y jouer à travers les différentes prestations de nos 12 candidats. Entamons à présent la deuxième équipe qui va s'illustrer ce soir, les amis de Luc, chers à l'ambassadrice Rosny Kaïba et au binôme Faveur Moukoko et Isaac Bola. Lévina Bichaté, elle va interpréter Simbanga Loboko du feu Charles Mombaya. Bichaté dans Simbanga na Loboko de papa Charles Mombaya. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus l'encourager par nos applaudissements? À l'issue de chaque prestation, les ambassadeurs notent
Et vous également, à la maison, vous avez la possibilité de voter. Pasteur Lode, votre avis sur la prestation des Lévina. Lévina. Bonsoir, Lévina. Bonsoir, papa. Beaucoup de douceur. Papa Lode. Beaucoup, beaucoup de douceur, d'innocence. Beaucoup de belles choses que tu nous as proposées ce soir. Que Dieu te bénisse, Lévina. Merci beaucoup, Pasteur Lode. Est-ce qu'on peut encore encourager Lévina pendant qu'elle regagne sa place dans les backstage? Merci beaucoup. À l'époque, les époques que les candidats sont en train de revisiter ce soir, le style urbain n'était pas ce qu'il est aujourd'hui dans la musique gospel. Mais il y avait quand même des chansons qui s'apparentaient au style urbain. Ce soir, est-ce que Baïf Mosengo va réussir à interpréter « Tu es tout pour moi » de Denis Ngondé? La réponse, tout à l'heure. Que l'amour du monde était parfait. Mais depuis que j'ai rencontré dans ma vie, Jésus comme toi, il n'y en a pas deux. Sans toi c'est dur, sans toi c'est pire. Tu les aides bien quand toi je suis pur. Moi et toi on fait une équipe, ton amour occupe tous mes pensées. J'ai quitté le monde pour le servir. Et dans sa façon je suis en service. T'es l'enfant de Dieu sans jamais triste. Parce que la vie éternelle est de notre côté. Arrête tout le commande à comment rater. Jésus est mon ami, il a mes côtés. Je suis protégé, il est tout pour moi. Quand tu demandes ça fait mon apathé au ton de la bouilla. L'animal on a mon ami qu'à moi. Et l'autre année vient à rêver comme moi. Tu as restauré toute ma vie. Avec toi rien n'est impossible. Car c'est pas un homme que j'ai cru. Mais au Seigneur Jésus-Christ, tu m'as redonné le sourire. La vie où t'es né veut mourir. Et ça me rend jamais nourri. Et l'amour a suivi à faire vie. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Tu es tout pour moi. Alléluia. Amen. Il est du bon Dieu pour tes cris de joie. Alléluia. Amen. Il est du bon Dieu pour tes cris de joie. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. 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 Hey, alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Tu es tout pour moi. 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 Maman, maman. Baïf, baïf, baïf. Voilà, toi là, toi là. Baïf, Mosengo. Maman. Maman. Ce soir, il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Attends, 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 attends. C'était Dindon quoi? Dindon? Hein? Dindon dit. Hey.
On y va. Vas-y, réponds juste ça. Réponds juste ça. Dis-donc-di. Tu es doux pour moi. 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 Quand je vois tout demander, ça fait. Passe au mic. Est-ce que le ding-dong-di t'a fait un effet? Gravement, Job, gravement. J'aimerais sincèrement dire quelque chose. Bah Yves, encore une fois ce soir, je me rends compte qu'au-delà de ton talent musical des rappeurs, mon ami, ça prend d'être intelligent pour faire ce que tu es en train de faire. Chapeau. Mais aussi autre chose, c'est que quand je regarde ton âge, je me dis, dans les années qui viennent, 5 ans, ce sera même beaucoup, pour être compté parmi les meilleurs rappeurs. Amen. Pas seulement de Kinshasa, mais aussi du Congo. Amen. Et pour ce soir, tu as tapé. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Merci, Baïf. Est-ce qu'on peut raccompagner Baïf avec Dindendon, Dindendon? Merci, Baïf. Restons toujours dans les registres de Ningondé. Cette fois-ci avec Merdivi Moukoko qui va faire Nabilayo. On applaudit pour lui. Mananga yawe natika yo isusu te nabila 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 Alice Golu Nayo Yahweh Sina Nini Namitu Misanga Yoyo Nabila 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 Natalie
na bonogota unande yo ko fela kinga yo yo motwa masumo yo ozwaki ezikananga kolonanga nanga Kaine na sala ki masumwe Yawe, yawe Sina nini na mitungisa Na bila, na bila Na bila Comme chaque week-end, nous passons des moments de découverte exceptionnels, des talents merveilleux qui régorgent la République démocratique du Congo. Mama Sandra, je vais bien avoir votre avis sur la prestation des Mères Divines. Est-ce que après une telle prestation, on peut dire quelque chose? Il n'y a pas à dire. Comme on le dit ici, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Mervidi, c'est très bien. Parce que plus on avance, plus tu apprends, plus je sens la concentration. Là, j'ai senti vraiment... Moi, j'attendais la terminaison. Je me disais, si seulement Mervidi monte, il va perdre des points. Et là, tu viens de me surprendre. J'aime ce que tu viens de faire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Avant de libérer Mère Divi, j'aimerais quand même aussi écouter Maman Déborah sur cette prestation. Mère Divi, à chaque fois que je t'entends chanter, je me dis que j'ai affaire avec un technicien. Vraiment. La technique vocale ne correspond pas avec ton âge. Tu es exceptionnel. Ma prière... Et que ce don, le dépôt qui est en toi, garde-le précieusement. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Maman Déborah. On applaudit encore une fois de plus pour Mère Divi Moukoko afin de l'encourager. Nous vivons une soirée exceptionnelle à travers cette compétition Madja Bourafiki. Et nous allons poursuivre notre voyage dans cette remontée dans les temps, cette fois-ci avec l'équipe des amis des Mathieu, cher au pasteur Mike. Kalambay. Miradi Lusuna va faire un aveu avec le titre Seigneur de la sœur Marie Misamo. On applaudit Miradi. Je t'accorde à ta part.
C'était Miradi Lusuna, maman Déborah. Miradi. Tu as un point fort. Et ce point fort-là, c'est ta belle voix. Garde-le jalousement. Que Dieu te bénisse pour cette prestation. Sois béni. Merci beaucoup, maman Déborah. Est-ce qu'on peut applaudir pour Miradi, s'il vous plaît? Rappelle-nous ton numéro. Numéro 18. Miradi Lusuna, candidate numéro 18. On applaudit pour elle pendant qu'elle regagne le backstage. Comment va s'y prendre Injoel Mbuluku? Je disais, comment va s'y prendre Injoel Mbuluku avec le titre Mobundeli Nanga de Denis Ngondé? On l'écoute. Tosambela, 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 Tosambela.
Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Pas applaudir pour une Joël, non, acclamer pour Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. Le temps d'un instant de quitter la salle de compétition et de se retrouver dans une salle de culte. C'est magnifique. Injoel Mbuluku. Quelle que soit l'issue de la compétition, je l'ai toujours dit, l'histoire du gospel congolais, l'avenir du gospel congolais est en train de s'écrire à Pamoja, à travers cette compétition. On va quand même prendre les avis du jury. On est obligé de prendre les avis du jury parce que c'est la règle de la compétition. Pasteur Lodz, j'aimerais quand même écouter votre avis sur la prestation d'Injoel. Bonsoir Injoel. Bonsoir pasteur. Regarde ce que tu nous as fait. Tu nous as fait oublier le temps d'un instant qu'on est dans la compétition. Tu as amené Dieu dans la salle. Au fait, Injoel, au-delà de la voix, du talent, tu portes une charge, une énergie que très peu de personnes ont. Au fait, dans un langage biblique, je dirais, tu as une onction que très peu de personnes ont. Et je prie que tu gardes ce dépôt. J'aimerais ajouter une autre chose par rapport à toi. Depuis le début, depuis les auditions, jusque maintenant, j'aimerais te dire une chose. Tu sais, Injoel, le temps d'une soirée, même un joueur moyen peut être excellent le temps d'une soirée. Ça peut arriver exceptionnellement que ce jour-là, il se soit bien réveillé et puis il fait un match exceptionnel. Mais les grands joueurs, ce sont ceux qui sont très bons chaque week-end. Et ça, c'est toi. Tu es de cette race-là et je prie que Dieu te garde et que tu ailles le plus loin possible. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Injoel. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît, pendant qu'il regagne? J'ai toujours eu envie d'écouter Mama Sandra après la prestation d'Injoel. Un mot, juste un mot. Job, un mot, c'est pas possible. Une phrase. Merci. La présence de Dieu est présente au milieu de nous. Merci beaucoup, Mama Sandra. Nous clôturons ces voyages au sein de l'équipe des amis de Mathieu, du pasteur Mike Alambay, avec Israël Lofala dans « Viens me libérer » du frère Mbuta. On applaudit pour Israël, s'il vous plaît. Ah, Jésus. Papa, nanga, nakoluka yo, musupe moi. La moussa elika, ya mitse ma ya baso. Bisoto belemi, koluka yo. Waha pepa yo sali, zamberanga. Nina lili pemingi, ya rote. Sangani, bali, sangana wa.
mokwazi nzambe yokanga awa yo naleli ye Jésus. Memelaki yo na pesi yo biloko nyonso kama tsape motema kitana ke mona yo ya lola molongisa mabota kolo kolo Vandi na mozole, a cancer les aiguilles, à l'obinga et de massia, dans des montoires de mozole, et à cause de la paix à souka, oh la, oh la, oh la, oh la, oh la, Fala, est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît? Maman Sondra, qu'avez-vous pensé de sa prestation? Ah, Israël! Ah, Israël! Israël, est-ce que tu as regardé quelque part là-bas? Il y a quelqu'un qui était debout, qui n'arrêtait pas de faire... Ça veut dire que la rumba est dans le sang d'Israël. Israël, tu as cette facilité de... Je vais t'avouer quelque chose. Hein. Quand j'ai commencé à chanter, j'avais du mal à faire la rumba. Les gens pensent que c'est facile, mais moi, je peux te dire, la rumba n'est pas du tout facile. Mais la facilité que tu as de nager dans les notes, tu fais ce que tu veux. Garde ça, parce que c'est la richesse de notre musique. La rumba va rester notre richesse et j'aimerais vraiment te voir aller plus loin et nous permettre de savourer la vraie rumba dans les générations qui arrivent. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Maman Sondra. On applaudit pour Israël pendant qu'il regagne sa place dans les backstage. Pasteur Mike, on a écouté vos trois candidats. Qu'avez-vous pensé d'eux ce soir? Je suis très satisfait, Job. Ils ont brillé collectivement, mais aussi individuellement. Je pouvais voir chacun donner le meilleur de lui. Je suis très heureux. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur pour la collaboration de nos amis. Mes collaborateurs, je vais les appeler comme ça, Alain Paloukou, Lambassa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Alain Paloukou? Ce n'est pas fini. Aidez-moi à clamer encore très bien le Seigneur, mais cette fois-là, pour l'excellent Nick David Chitenge, avec qui nous abattons un travail, mais vraiment des titans. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis très satisfait ce soir.
je ne serais pas, moi, surpris de voir... Oh, il y a un problème. La fameuse phrase. La fameuse phrase. Vous ne serez pas surpris de... De voir que les gagnants de Rafi qui seront dans le groupe de Mathieu. Marc. Voilà la phrase. Mais tu peux encore dire si tu veux. C'était ça la phrase? Non, c'était pas ça. En fait, c'était un gagnant va sortir dans le groupe de Mathieu. Le deuxième aussi, pourquoi pas? Dans l'équipe de Marc plutôt, je m'excuse. Ok. Passons, Mike. Tranché, il y a deux phrases. C'était laquelle que vous vouliez dire? Bon, elles peuvent parler comme elles veulent, mais je pense que c'est pas ce que moi je voulais dire. Ce que je disais, c'était que je ne serais pas surpris de... Pardon. Excusez mon émotion. De ce que tous les trois vont prendre les trois places. Bah, on le lit au coup de là-bas. Job, c'était excellent ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les Merci, amis de Pasteur Mathieu. Mike. Est-ce qu'on peut applaudir pour les amis de Mathieu, s'il vous plaît? Nous effectuons un voyage dans le temps et ce voyage est marqué par différents escales. Les dernières escales que nous allons effectuer ce soir, c'est fait chez les amis des gens, équipe chère à l'ambassadrice Sandra Mbouyi et au binôme David Izé et Gamaliel Lumbo. Blessing Chunju va louer Dieu dans Bandeke du feu Charles Mombaya en featuring avec Mama Sandra Mbouyi. On accueille Blessing par des applaudissements. Give
Comme c'est beau. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Des anciens titres révisités par une nouvelle génération. Et c'est fantastique. Surtout, surtout cette fin-là, la conclusion, elle a été, pour moi, elle a été extraordinaire. Mais je ne sais pas ce qu'en pense le pasteur Mike. Pasteur Mike, votre avis sur la prestation des Blessings? Ah, ça sera dur. Hein. Blessing. Cher ami. Blessing. Surtout à cette étape de la compétition, tu sais quand même que nous sommes à la demi-finale, n'est-ce pas? Nous sommes autour de cette table pour pouvoir donner au gospel congolais, ensemble avec tous les téléspectateurs, une génération des adorateurs pour laquelle on n'aura pas à regretter après. OK? Cela étant, je vais te dire la vérité. J'ai constaté dans il y a au moins deux primes passées où moi, personnellement, je commençais à ne pas te retrouver. C'était bien. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, on fait ensemble avec tout le monde qui est en train de te suivre. Je me rends compte que tu n'es pas seulement dans la finesse. Yeah. Tu as en toi aussi la puissance. Je vais te dire une chose, c'est que, comme l'a dit Job, tout était bien. C'est vrai, il y a eu quelque part, il y a un petit couac. Je ne tiens pas compte. Mais surtout et surtout, hey, ta terminaison, elle était magistrale. Pour ce soir-là, tu as... Merci, Pasteur Mike. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Blessing pendant qu'elle regagne sa place? Pour que Blessing obtienne une place en finale, il vous suffit de voter pour elle. N'hésitez pas, votez pour Blessing. Sunju, elle est à un pas de la finale. Elle a besoin de votre soutien pour être propulsée. Sephora Makassi a encore besoin d'appui et des forces. Elle en demande dans Ngamoko Nakokite de la sœur Lili Sumbela. On l'accueille avec des applaudissements. Kilobana yobomoi evanda katina ngai.
C'était Sephora Makassi, mesdames et messieurs. Ambassadrice Déborah, quel est votre avis sur la prestation de Sephora? Sephora, en tout cas, depuis que tu as commencé, tu ne cesses de me surprendre. Mais ce soir, je pouvais sentir que tu étais hésitante et pourtant, tu as une belle voix. N'hésite pas, chante-nous, donne-nous ce que tu as fait aux répétitions. Nous savons que tu as ça en toi. Alors, si tu dois nous revenir, reviens-nous un peu plus forte que ce soir, un peu plus engagée, mais ne cesse de croire que le dépôt en toi est trop grand. OK? Sois bénie, Sephora. Et j'aime beaucoup ta voix. Merci beaucoup, ambassadrice Déborah. Est-ce qu'on peut applaudir pour Sephora? Sephora Makassi, candidate numéro 20. Notre voyage musical à travers les temps ce soir va s'arrêter par Joyce Kalumuna, qui va nous démontrer. Je disais, notre voyage musical à travers les temps ce soir va s'arrêter par Joyce Kalumuna, qui va nous démontrer pourquoi elle a choisi Jésus comme sauveur dans Talatina du frère Minté. Nous l'accueillons avec applaudissements.
Kalumuna, mesdames et messieurs, plus expressive que jamais dans ta latina du frère Minty. Pasteur Lourde, votre avis sur la prestation de Joyce? Hey, bonne année, Joyce. Joyce, avant de donner mon avis sur ta prestation, je voulais d'abord dire que j'aime beaucoup les antennes que tu as sur ta tête. Sûrement, ça te permet de capter le réseau, hein. Et honnêtement, magnifique prestation. Je voulais te dire, au fait, de souvent écouter l'ambassadrice Sandra, parce que ce soir, elle t'a sublimé. Merveilleuse prestation. Surtout, aie toujours confiance en toi, parce que tu as vraiment la chose. Ferme tous les bruits extérieurs, écoute la voix qui parle au-dedans, parce que tu iras très loin. Que Dieu te bénisse. Joyce Kalumuna, candidate numéro 15. Elle est à une marche de la finale. Je vous invite à la pousser le plus loin possible ici, dans cette compétition. C'est avec la vie de Maman Sandra que nous allons clôturer les primes de ce soir. Maman Sandra, votre avis après la prestation de vos filles? Rafik Yoyo. Non, mais vraiment, Rafiki Oyo Penza. Grave. Papa Mike Azolo, grave, boyo kanonye. C'est grave. Nous sommes perdus, hein, Job. Nous sommes très perdus parce qu'après, je me dis quand ce sera le moment de. De départager. Justement, ça ne sera pas facile pour nous. Aïe. Maman Sandra, à vous. Voilà, donc aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment satisfaite de la prestation du lycée Saint-Johan. Et surtout, Joyce m'a vraiment fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui, elle est sortie de sa zone de confort. Et depuis qu'on a commencé, l'expression que j'ai vue d'elle aujourd'hui, je ne l'avais jamais vue auparavant. Exactement. Et Blessing, elle a juste tapé. Parce qu'on a eu tendance à penser que c'était la reine de la douceur. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle peut aussi être une lionne. Donc, Sephora... C'est celle qui a beaucoup de richesses, mais qui ne veut pas exploiter toutes les richesses qu'elle a. Aujourd'hui, elle nous a donné des bonnes choses, mais elle n'était pas convaincue elle-même de nous avoir donné ces choses. Donc, si par exemple, Joyce reste avec nous, c'est ce côté-là que je vais travailler. Si Blessing reste avec nous, c'est son côté lionne que je vais travailler. Et si Sephora reste avec nous, c'est le côté assurance que je vais travailler. Donc là, jusque-là, je suis vraiment très contente. J'aimerais dire merci à mes binômes, à Gamaliel Lombo, ainsi que David Izé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour le grand travail. Je ne peux pas seulement leur dire merci, mais j'aimerais dire merci à tous nos binômes, parce qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Aujourd'hui, j'aimerais en même temps dire merci à notre équipe. Fantastique. Là, ils sont prêts à montrer que... Ça, c'est une équipe de rêve. Composée de talentueux comme pas possible. Ils sont exceptionnels. Oh, merci. Merci Odéa. Attendez. On va revenir sur vous après. Je prends d'abord l'avis de Gamaliel après les prestations de nos amis des gens et ensuite on va revenir à l'équipe du DA, une équipe extraordinaire. Merci Job pour la parole. Ben, comme disait Maman Sandra tout à l'heure, déjà très fier de toutes les trois, parce qu'on peut sentir clairement une amélioration dans leurs prestations, mais surtout le fait qu'elles arrivent à appliquer ce qu'on leur demande, ça nous donne une très grande joie. Donc je suis très fier de ce qu'elles ont fait ce soir. Merci beaucoup, Gamaliel. Est-ce qu'on peut applaudir pour les amis des gens? Alors, est-ce que maintenant on peut applaudir pour cette équipe exceptionnelle? Mais est-ce qu'on peut bien applaudir pour eux, s'il vous plaît, les musiciens qui font un travail extraordinaire?
Merci beaucoup. Merci. Bolingi Bobina. Bolingi Bobina. Ok, ça tombe bien parce qu'on a trois grands concerts qui arrivent en 2024. Le pasteur Lode sera à Dakar, Maman Sandra sera à Paris, le pasteur Mike Alambay sera ici à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Je vous fixe rendez-vous pour ces trois grands concerts et là, nous pourrons danser. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi toutes les 12 prestations. On se retrouve juste après pour la séance d'élimination. L'étape fatidique de la soirée, l'élimination. Ah oui, je sais ce que vous vous dites en ce moment. C'est une étape que la plupart d'entre vous redoutent. Mais il faut bien que cet instant ait lieu parce que c'est la règle de la compétition. Nous perdons des candidats avec un savoir-faire extraordinaire. Savoir-faire qu'ils nous ont démontré à travers leur belle voix, mais également à travers leurs prestations qui sont tout aussi exceptionnelles et particulières les unes comme les autres. Ils sont jeunes, ils ont entre 8 et 17 ans. Et ce soir, ils ont révisité les anciennes chansons du gospel congolais. Ça a été un moment extrêmement enrichissant, mais également rempli de beaucoup de mélancolie. La question, c'est est-ce que ton vote va réussir à garantir à ton Rafiki préféré la marche vers la grande finale de la première saison, Maajabu Rafiki. Nous allons le savoir tout à l'heure. Vous pouvez voter votre Rafiki préféré sur nos trois différentes plateformes de vote. Chatbot WhatsApp Maajabu Rafiki, application Maajabu Rafiki et sur les sites web www.maajabugospel.com. Blessing Shunju, choisissez 2. Baïd Mosengo, choisissez 3. Pour Blessing Globo, choisissez 4. Pour Injoel Mbuluku, choisissez 9. Pour Israël Lofala, choisissez 11. Pour Jacques Kaladila, choisissez 12. Pour Joyce Kalumuna, choisissez 15. Pour Lévina Bichaté, choisissez 16. Pour Merdivi Mukoko, choisissez 17. Pour Miradi Lusuna, choisissez 18. Pour Jules Bukasa, choisissez 19. Et pour Sephora Makassi, choisissez 20. Maajabu Rafiki, laissez venir à moi les petits-enfants. Il est là avec nous chaque semaine. Il occupe les sièges juste en face de moi. Et ensemble, nous vivons avec lui cet instant particulier. L'huissier de justice, Maître Célestin Onema, officier public et ministériel près la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Je veux pouvoir l'inviter à me remettre l'enveloppe sanctionnant les résultats du prime de ce soir, le prime old school. Merci maître. Très humblement, je vais vous demander à reprendre votre place. Cher public, je tiens entre mes mains l'enveloppe sanctionnant les résultats du prime de ce soir, le prime old school. 4 équipes, 12 Rafiki. 12 Rafiki, comme les 12 disciples de Jésus. Nos Rafiki seront-ils allés jusqu'au bout de cette merveilleuse compétition? Seront-ils devenir des porteurs de la bonne nouvelle de l'Évangile à travers leur cantique? Je vais ouvrir l'enveloppe et annoncer les résultats. Sans trop de suspense, mesdames et messieurs, les résultats de ce soir attestent qu'aucun des 12 ne quitte la compétition. Ils sont tous qualifiés pour la suite des Maajabu Rafiki à l'issue du Prime Old School. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Maajabu Gospel, nos pages Facebook, Instagram, X,
TikTok, également sur notre télévision, le canal 83 TNT, Majabou TV et sur l'ensemble de nos télévisions partenaires. C'est Noël et oui, c'est Noël. Nous vous avons préparé de magnifiques et de merveilleux cadeaux avec nos artistes Majabou, des singles, des albums et pour l'année 2024, les programmes s'annoncent de plus en plus merveilleux. C'est 21 janvier déjà, le pasteur Lode Lombo sera à Dakar pour un grand concert au Grand Théâtre de Dakar. Le 23 février, à l'espace Grand Paris, Maman Sandra Mbouyi va se produire dans les cadres du Goodness Tour. Au mois de mai, retenez très bien, au mois de mai 2024, le 26 mai précisément, le pasteur Mike Alambaï sera à Paris. Les autres précisions vont devoir suivre et bien sûr, on n'oublie pas les 27 juillet 2024, tous au Stade des Martyrs pour Explo Celebration. Je vous retrouve prochainement et que Dieu vous bénisse.